Je me mets là. Salut les amis, bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle moto, Harley Davidson, et plus particulièrement du softail standard puisque c'est ma moto. On est en direct des Narvalos Bikers, le festival Halloween, 4 jours de festival cette année, un truc de dingue. Et là, regardez, je suis bénévole à nouveau cette année, et je suis à la tombola, alors c'est parti, je vais les rejoindre et je vais vous montrer tout ça. Nightster 975 a gagné en premier lot. La remorque, c'est le deuxième lot. Et là, je vous montre ça, c'est énorme. Ah, on est pas mal là. Dans le parking, on va commencer par le parking des voitures. Voilà, elle est canon celle-là. Corvette C3. Mais moi je serais pas contre un truc comme ça. Regarde, un pick-up Ford. Oh là là. Ça, alors ça, j'adore.
pas bien, mais c'est transparent en fait là-dessous. Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est une Plymouth. Incroyable. Ah ouais, le design, laisse tomber. Faut regarder le design à l'intérieur, c'est énorme. Ils ont mis même du jaune à l'intérieur. Mais non. Wow. Incroyable. Non, il a arrondi comme ça, comme à l'avant et tout, c'est vachement bien. C'est magnifique. Ouais. Au niveau de la proportion de la voiture. C'est marrant, hein, les bras de suspension, on dirait une Formule 1. Quoi. C'est, ouais, c'est ça, clairement. Même ça, ça fait un peu mandibule. Ouais, ouais. Bah, ça, je pense qu'ils sont obligés pour l'homologuer en fait. Ouais. S'il n'y avait pas de problème d'homologation, il pourra la faire carrément. Mmh, clairement. Et puis alors, les deux côte à côte là, ouais, c'est clair, elle fait la moitié. On est dans deux mondes différents quoi. C'est clair. Putain, le truc là. Alors là. Ah putain, c'est une Cadillac. Elle est dans son jus. Même le logo est de travers quoi, c'est incroyable. Ah bah ouais, en plus le gars est fan de boiserie. Bah, y a plus qu'à la mettre dans un champ puis à faire des dérapages quoi. Oh putain. Alors moi je dis que pour la boiserie là, il manque un trou ici au milieu là. Pour mettre une cheminée quoi. Un trou. Camaro. Mustang, encore une Mustang rouge, magnifique. Voilà, clairement, en fait, on a tous les inconvénients de la moto et tous les inconvénients de la voiture. Ah, elle était là l'année dernière, elle. Vapeur. Il y a beaucoup 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 de Mustang parce qu'il y a le club Mustang en fait hein, qui fait partie prenante du truc, d'ailleurs ils sont là, le Mustang Club France. C'est quoi ce truc? Ah, une Studebaker! Putain, ça c'est beau! Ça me rappelle une chanson de Vanessa Paradis.
parking. Un slim, ben ça va se faire rare, hein, les gars. Alors là, il a mis sa clochette juste là, sous le phare, c'est pas mal. Mais si on veut qu'elle soit efficace, faut qu'elle soit le plus près du sol. Hein. Je vous rappelle, pour regarder ma vidéo sur le Gremlins Bell, je vous la remets là-haut. Alors ce qui est sympa dans ce festival, c'est que voilà, il y a de tout. Il y a de la japonaise, il y a de l'allemande, puis il y a pas mal d'Harley, mais on voit qu'il y a un petit peu de tout. Oh là là, le nez de celle-ci. C'est un road glide à l'ancienne celui-là. Avec un twin cam, 96. Alors là, c'est mon poteau Rodoudou. Va vraiment falloir qu'on se fasse une petite vidéo ensemble avec Rodoudou là. Regardez-moi ce qu'on voit. Du calme, du calme. Eh ben voilà, mon ancienne moto, hein. Bandit 1200. Avec le petit saut de vent, comme moi. Et la plus belle. Eh, moins de bruit ici, s'il vous plaît, là. Hein? Moins de bruit ici. Une voiture d'exception à K2000 juste derrière. J'ai rencontré son propriétaire tout à l'heure et on va essayer de le choper pour qu'il nous la présente. Je vous laisserai son adresse de sa page Facebook en description. Bon les gars, j'ai rencontré Michael Knight. On le spécial à la place. Ah oui, d'accord. Ah, t'as de la chance parce que si j'avais pas été en pause. Tu fais une photo avec moi? Oh bah oui. Alors le vrai Michael Knight, il est là. En fait, il est là. C'est décollant. Donc, toi... Là, avec ta boîte, ça s'appelle... C'est une association. C'est une association. Ouais, Robin Slermovic, qu'on a créé. Et donc, on peut faire des mariages, des séminaires, des événements comme ça, des baptêmes, pour les anniversaires. Surprise, voilà, on arrive à l'académie, on fait un petit tour. D'accord. On se balade avec les gens. Avec chauffeur. Avec chauffeur, ouais. Avec chauffeur. Donc, ouais, on est d'accord. C'est ça. Ah ouais, c'est bien. Donc, après, on a différentes voitures. On a la Camaro. Après, la Camaro. Temps, Torino, la Chevrolet. Tac, la Torino, là. Donc, Starkey Hutch, Bumblebee, là-bas. Et K2000. Une autre Bumblebee en coccinelle. Le Sheriff Fais-moi Peur, qui est là-bas aussi. Le Sheriff Fais-moi Peur, qu'on va aller voir après. Et donc là, celle-ci, elle est quand même impressionnante parce que en fait, t'as tout refait à l'origine, quoi, comme si c'était la vraie, là. Ah bah c'est, ouais, c'est la vraie. Voilà, 99% des touristes qui verront les détails, quoi, mais ouais. Vraiment tout fait. Bah là, moi, je connais la série, tu vois, et franchement, je suis impressionné parce qu'il y a vraiment tout, quoi. Et quand elle parle, ça bouge là-haut quand elle parle. Ouais, c'est voilà, bah, ouais, c'est 10 secondes, tu vois. Qui me permet de reproduire n'importe quoi.
Ah non, c'est un truc de dingue quoi. Même au plafond et tout, tout est... Ouais, petits boutons qui font les bruits. Ouais, super. L'édition 2022 du festival À l'assaut de l'Amérique restera un grand millésime. Je vous laisse en description le lien du site des Narvalos Bikers sur lequel vous retrouverez toutes les informations pour la prochaine édition. J'y serai présent, c'est certain. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon week-end, une bonne semaine et on se dit à très bientôt. Allez, ciao !